Bonjour, je m'appelle Ryan Yechou, j'ai 14 ans et je joue à la Mulinette de Nantes. Bonjour, moi c'est Sofiane Zorghi, j'ai 14 ans et je joue à la Mulinette de Nantes. Bonjour, je m'appelle Kylian Borgia, j'ai 14 ans et je joue à la Mulinette de Nantes aussi. Flick Thomas, coach adjoint des 15-20. Bonne Chibou, présent et moi aussi. Marwan Borrechard, éducateur à la Mulinette et adjoint. Alors, première question rapide, petite réaction, première réaction sur la qualif. On est très content. On est content de participer à ce tournoi international. Et voilà. Un jeu très satisfait du contenu, surtout. Ouais. Parce qu'on n'a pas pris de but, on a marqué beaucoup. Donc, c'est très bien. En fait, on a respecté le rôle qu'on devait avoir. Et c'est cool, on ressort avec ce qu'on voulait, sans prendre de but, en marquant beaucoup. Et c'est cool. Du coup, maintenant qu'on est qualifié, un petit objectif ou pas? Est-ce qu'on va fixer un petit objectif aux gars pour Ouais, aller plus loin. Plus loin possible. Gagner le tournoi. En vrai, oui. Mais après, ça fait plaisir aussi. On va jouer contre des grosses équipes. Le plus important, c'est de kiffer et de voir ce moment. Si les résultats ils arrivent, Ça vous fait quoi d'éventuellement jouer? Parce que là, vous savez que ça va être poule de 6, deux équipes internationales, deux équipes de Ligue 1, Ligue 2 et deux équipes locales. Ça fait quoi de jouer contre des clubs pro et des joueurs étrangers? Ça procure du plaisir. On est au quotidien, on joue pas contre des équipes comme ça, donc c'est une grande opportunité. Ça c'est plus pour les coachs. Est-ce que vous pensez que la qualif là, ça va jouer un peu sur le, ça va influencer un peu l'attitude du groupe et sur la saison? Bon, ça reste positif quand même, cette qualification. Comme je dis, on a pas pris de but, on a marqué beaucoup, donc ça. Voilà, on sent qu'il y a une belle cohésion au cours de la journée, donc je pense que ça peut être positif. Ouais, vos atouts, ouais. Ouais. Rapidité. Solidarité entre vous, ouais, voilà. Ouais. Vitesse, solidarité. Et solide. Probablement. Et une bonne cohésion. Ouais. Parce que, se connaissent depuis longtemps, les petits. Merci au photographe du jour, merci franchement, merci. Merci beaucoup les gars, merci. Et puis bon courage et bonne continuation.